Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Taux ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un seul invité. Un invité qui nous vient de Lévis, donc on a décidé de le garder pendant une demi-heure. Hein? Ça vaut le déplacement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général de La droit M. François Winter. Bonsoir, François. Bonsoir. Euh, La Droit. Là, je, je le dis comme ça parce que c'est écrit ici, L apostrophe A, tradignon oui. -ce ça, DROIT. Oui. Qu'est-ce que c'est cet organisme-là? La droite, c'est le groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale pour la région administrative de Chaudière-Appalaches. Donc, il existe des groupes régionaux de promotion et de défense des droits dans chaque région du Québec. Il y en a un en Estrie, dans le centre du Québec, dans le bas du fleuve à Québec, etc. Notre mission, c'est la promotion et la défense des droits individuels et collectifs en santé mentale. Euh... Mais un cas précis, là, quand on dit euh, la, la défense euh, d'un droit individuel et collectif en santé mentale, peux-tu me donner un exemple là, pour qu'on puisse voir un peu plus euh, qu'est-ce que vous faites? Bien, je vais donner un exemple en lien avec l'entrevue le, d'aujourd'hui. Donc, une personne qui est hospitalisée en psychiatrie, qui désire quitter l'hôpital, mais qui est sur le coup d'une ordonnance de garde en établissement en vertu de la, la P38.001. Donc cette personne là va nous contacter dans le cadre de ce processus là on nous on va l'aider à faire à, on va l'informer sur ses droits, on va l'orienter dans ses démarches, la diriger vers un avocat lorsque c'est possible, lorsqu'elle le souhaite aussi. On va euh, la guider, l'accompagner à la Cour, donc euh, l'aider pour la défense de ses droits individuels. L'aspect collectif et systémique, c'est la remise en cause du bien fondé d'une loi politique, règlement. Donc, par exemple, l'étude qu'on a produite sur l'application de la P38.001 en Chadière-Appalache, c'est un bon exemple de, de, de défense systémique des droits. Donc, euh... OK. Alors là, j'ai retenu loi P38.001. On va y revenir parce oui. que là, c'est un peu technique, ça. Bien, oui. Pour toi, c'est peut-être facile. Tu travailles <laughs> dans ça, là. Mais euh, qui sont membres de, du groupe? Est-ce que ce sont des personnes euh, qui ont des problèmes de santé mentale ou ça peut être la population générale ou... Les deux, je vous dirais. C'est sûr et certain que l'organisme, la droite, se destine. D'abord et avant tout, aux personnes qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale, parce que les groupes en défense de droits, souvent, euh, on vient en aide à des gens qui, sont, euh, qui vivent des difficultés, des vulnérabilités vis-à-vis du -vis système. Il existe des groupes de défense de droits sociaux, des, des ACEF dans notre région, tout ça. Donc, la droit euh, on vient en aide aux personnes vivant ayant vécu avec un problème de santé mentale. Donc l'organisme, c'est pour ces personnes-là. Le conseil d'administration est composé exclusivement de gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Mais nos membres, on peut avoir des membres réguliers, des membres collaborateurs. Donc on ne ferme pas la porte à personne. Euh, ça existe depuis combien de temps, depuis combien d'années, euh, ce, ce groupe-là? La droite est fondée en 2002. 2002. Donc, c'était suite à la fermeture de l'ancien groupe qui a été mis en place dans la région entre 1992 et 2000. Donc, le groupe a fermé en 2000, il s'appelait Axe Autonomie. Donc, en 2002, on a refondé un groupe, moi j'y étais, euh, un groupe de défense de droit qui s'appelle La Droite, euh, puisqu'il en existe dans chaque région administrative du Québec, et des subventions qui sont euh, dévolues à cette, cette mission-là, qui est une mission importante. Donc. OK. Et euh, là, j'ai dit que tu arrivais de Lévis. Est-ce que le. Je ne sais pas si on peut dire le, le siège social ou bureau-chef, oui. appelons-le comme on voudra, de, de l'organisme, du groupe, est Oui, tout à fait. Puis ça, ça couvre vraiment, là. Quand on parle de Chaudière-Appalache, là, on parle de toute la région de Thetford jusqu'à Montmagny exactement. donc ici vous êtes au centre. Oui oui, c'est ça exactement, je veux dire, les qui a 136 municipalités, avant il y avait 5 C3S, une fait merci une ville dont la merci des Appalaches, ma collègue René Leblanc qui est conseillère en défense de droit vient ici à chaque semaine rencontrer des gens euh, donc euh, on Donc a... il y a des membres dans la région ah, aussi. oui, il y en okay. a plusieurs, l'année passée on avait un monsieur qui était sur le conseil d'administration. Cette année c'est un hasard, on n'en a pas, Mais on en a déjà eu d'autres aussi par le passé. Donc euh, c'est et euh, si on est assez présent là, dans la région. Là, je, je, je suis fier de le dire. C'est un endroit moi, où j'aime toujours venir, l'inversité des Appalaches. OK. Euh, juste pendant que j'y pense, mais vers la fin de l'émission, fais-moi penser on donnera les numéros de téléphone. Oui. S'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui seraient intéressés à en savoir davantage ou à s'impliquer, peu importe. On donnera on le numéro de téléphone oui, on a une belle page Facebook aussi. Ah bien, euh, alors on donnera tout ça vers, vers la fin de l'émission. Ça marche. Il ne faut pas, pas l'oublier. Alors, on va être deux à ne pas l'oublier. Ça marche. Euh, tu me parlais de l'application d'une loi qui s'appelle P d'Union 38.001. Qu'est-ce que c'est cette loi-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce bébite-là? Je vais dire le titre de la loi parce que c'est un titre qui est assez long. C'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Donc, la P38.001. On va l'appeler P38. <laughs> c'est ça. On va l'appeler P38 pour les, les biens de la cause. Okay. Donc, c'est une loi qui permet un établissement de santé... D'hospitaliser une personne dans, en psychiatrie, donc, contre sa volonté, sans, sans qu'elle qu soit accusée d'avoir commis un acte criminel, en, en raison de motifs de, de dangerosité, donc, euh, de danger grave et immédiat. Donc, la P38 permet. À, à, à un hôpital de, de faire ça. Donc, c'est une loi qui. Pré... C'est une privation importante de liberté. Oui. Hein, parce que c'est une loi qui contrevient. Euh, euh, donc, ça, ça vient à l'encontre des, des chartes. Donc, c'est une exception, autrement dit. Donc, à cet effet-là, euh, ça doit être d'avant encadré, surveillé et puis euh, ça doit être appliqué avec le plus de rigueur possible. Mais c'est qui qui décide qu'une personne présente des signes. De nature à être dangereux, euh, oui, des signes dangereux pour elle-même ou peut-être pour Exactement. autrui. Exactement. C'est un médecin. C'est un médecin ah, qui a le médecin. pouvoir de, de mettre en application cette loi-là. Bon, les policiers peuvent accompagner une personne à l'hôpital avec euh, l'aide, de, de, avec l'intervention aussi d'un intervenant en situation de crise. Mais euh, au final, le, le médecin doit mettre en application cette loi-là. Mais c'est le juge qui décide ah, il y a un de un juge. Oui, c'est ça. Donc, ça passe au tribunal à un moment donné, à la Cour du Québec. Donc, il y a un juge qui, qui décide de, 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 de ça, d'accorder, si on veut, oui. à l'établissement de santé, la possibilité de garder une personne en établissement pour une durée euh, définie. OK. Et, et là, euh, tout à l'heure, tu as, as donné l'exemple, je me souviens. Tu dis, il y a quelqu'un qui est en soins psychiatriques dans un hôpital de la région, puis qui voudrait sortir, il va mm -hmm. vous demander de l'aide. C'est ça. Euh, pour contrecarrer la décision du juge ou pour dire, ben là, moi, là, à... je suis rendu à une étape où je ne... Constitue un danger ni pour moi ni pour les autres. Est-ce que c'est un peu ça ou... La personne peut nous appeler euh, qu'elle est passée devant le tribunal ou pas. Donc, c'est un processus qui est assez complexe, là. Donc, il y a oui. trois types de garde. La garde préventive, ça c'est au, au début. Donc, pour une durée de 72 heures, un médecin peut garder quelqu'un euh, à, à l'hôpital sans que ça, ça l'ait passé devant le juge. Donc ensuite, L'hôpital doit aller chercher une ordance de garde provisoire afin de permettre, euh, afin qu'il y ait la, la possibilité de faire des examens. Ça, c'est si la personne qu'on s'en pose examen. Ensuite, euh, il doit y avoir deux examens faits par deux psychiatres différents. Ensuite, l'hôpital doit faire une demande de garde en établissement pour une durée déterminée. Là, je simplifie. Il y a d'autres étapes, bon, là, bon, mais oui. c'est sûr et certain qu'ensuite, euh, donc une, 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 ça passe à la cour du Québec. L'hôpital demande une durée, une, une garde en établissement pour une durée. Euh, ça peut aller de, de 14 à, à 90 jours, même plus long encore. Donc, le juge tranche s'il accorde ou non la, la garde. Là. Donc, c'est je vous simplifie ça en bon, outrance, oui, okay. mais il y a d'autres subtilités là, sur lesquelles je, euh, on, pour, on pourrait revenir. Mais sinon, on va faire euh, toute l'entrevue là-dessus. <laughs> oui, puis alors, je pense que tu es ici particulièrement parce que. Au cours de, du début de l'année 2016, vous avez effectué une étude justement sur l'application de cette loi-là. Effectivement. Euh, sur le territoire chaudière-Appalaches. Mm -hmm. En quoi consistait l'étude L'étude, on visait à parce que il y, a plusieurs, euh, donc, il y a plusieurs choses ou plusieurs informations qui circulent sur l'application de cette loi-là. Euh, les, les gens, vont, selon la, le prisme dans lequel ils il observent euh, il observe, il observe la question, vont, vont se positionner d'une façon ou d'une autre. Mais nous, on, on cherchait à avoir des données, euh, des données valides pour bien apprécier la situation de la région. Puis il y a eu d'autres études dans d'autres régions administratives aussi. Montréal, euh, Laurentide, Outaouais, Estrie, Gaspésie. Euh, donc, ces régions-là ont fait des études sur l'application de la P38. Nous, on voulait se comparer à d'autres régions, même si ce n'est pas les mêmes années. Donc, on souhaitait vraiment connaître l'état de situation pour adresser les constats. Puis aussi, c'est sûr et certain que nous, on fait des. Les gens qui nous appellent, en général, ils ne sont pas satisfaits. Euh, ils vivent des expériences souvent difficiles avec le système. Cette, cette loi-là n'est pas toujours bien appliquée. On a fait un certain nombre de constats par le passé, mais on ouais. voulait connaître vraiment quel était l'état de situation, si ça rejoignait les constats qu'on faisait ou pas, dans, dans la mesure où c'était possible de déterminer ah, ouais. avec des données, euh, des données objectives. Et euh, votre étude, là... Euh touchait particulièrement une période donnée? Exactement. De, entre le 1er janvier 2012 et le euh, 31 décembre 2014, on a, donc sur trois ans, on a répertorié l'ensemble des jugements, des re, requêtes, des dossiers de cours là, en matière d'application de, de cette, cette loi-là dans la région. Il faut, faut savoir que ce sont des jugements confidentiels, donc on y a accès en demandant l'autorisation. On, on en remercie les, les gens là, du... Euh, du, palais, euh, du, du, du ministère de la Justice, mais euh, ça nous a permis de, de dresser un, un portrait de cette, cette situation-là. Bon, bien, alors allons-y. C'est quoi le portrait? C'est quoi les constats? Tu dis, nous, on avait déjà dans la pratique euh, des, des visions. Maintenant, là, vous avez fait une étude oui. sur trois ans de, de choses concrètes, là de l'application de la loi. Exactement. C'est quoi qui ressort, là, euh, la première chose qui vous a frappé? Moi, j'ai été surpris de constater les différences entre les territoires en matière du nombre de dossiers. Donc, a... c'est sûr qu'on peut comparer les territoires en fonction de plusieurs variables, hein, mais on a utilisé la variable du, euh, du, pour... du ratio de population. Ah, Donc, oui. par exemple, là, dans la région de Tetford, il y a. Puis je regarde mon papier oui, parce que oui, j'ai oui. amené l'étude ici. Donc, dans la région de Tetford, euh, on dessert euh, 10,23 de la population de choisir appalaches euh, en termes de... de c'est le ratio, là, de, en, en termes de la population. Mais, au niveau des dossiers, il y a eu 17.49 de tous les dossiers de garde de, qui, qui étaient, de, pour, pour choisir appelage, donc... Donc, <laughs> le plus élevé que le ratio de la population. Exactement. Contrairement à Montmagny, c'est un territoire... Euh, en, en termes de population qu'on pourrait qualifier de similaire, Montmagny représente 9,78, donc à peu de choses près, c'est la même population. Le même nombre de liens en psychiatrie aussi, presque le même nombre de psychiatres aussi, donc les, les variables ne sont pas très différentes, mais Montmagny représente 4,26 de tous les dossiers. C'est quatre fois moins ça là. C'est ça. <laughs> c'est exactement ça. Donc nous ça nous a beaucoup étonnés. On s'est questionné. Puis c'est difficile de porter un, un jugement. Donc la, les, la réponse euh, au, maintenant c'est aux établissements de santé à, à répondre à cette question là plus qu'à nous parce qu'on on se demande qu'est-ce qu pour pourquoi cette loi là elle est autant impliquée ici en comparaison au ratio de population. Puis dans le coin de Montmagny, c'est le contraire. Donc, elle est vie à peu de choses près. C'est similaire. En Beauce, il y a une variation de moins de 2 Mais ici et Montmagny-Lillet, c'était très significatif, cette donnée-là. Nous, ça nous a beaucoup questionnés. Mais là, vous n'avez pas, la... pas encore la réponse. Est-ce que vous allez la chercher? Ah, bien, on, on, on l'a demandé, disons, publiquement. Euh, le, le 6, ça m'intéresserait de le savoir. Je ne sais pas. Où est-ce qu'ils en sont Parce qu'on sait que ça fait un an qu'ils viennent d'être re, re. Ah oui oui, re, oui oui. Quand tu parles re, du 6, tu parles de, du nouveau conseil qui chapeaute là, tout le domaine de la santé, sécurité. La au... santé, okay. euh, la santé, services sociaux. C'est ouais, ça ouais, le 6, santé intégrée de santé, ouais, services sociaux, de C'est ouais. l'établissement qui regroupe euh, les, les 5C3S, les établissements régionaux, l'agence de santé. Donc il y a 10 établissements qui ont été fusionnés là-dedans dans cette réforme-là. Là, euh, euh, qui origine là, si je ne m'abuse, du projet de, loi, du, de là, Donc, oui. euh, Et euh, c'est quel est l'hôpital qui, qui est, je ne sais pas comment utiliser le terme, là, mais qui reçoit le plus de personnes en problème de santé mentale? Ah, c'est l'Hôtel Dieu de Lévis. Lévis. c'est ça parce qu'il y a un département de psychiatrie à Lévis, okay. à Tedfern-Minds, à Saint-Georges et à Montmagny. L'Hôtel Dieu de Lévy... Euh, reçoit près de 60 de toute la, cliente, de la ah bon, clientèle. Okay, du, du territoire. Ah, je dis clientèle, c'est un mot que j'utilise pas d'habitude, là, mais, oui, mais le bon réseau de la santé l'utilise. C'est patients. <laughs> oui, ben, je l'utilise encore moins ah oui, <laughs> là. Ah bon. <laughs> mais c'est ça, tandis que ici, c'est. C'est l'équivalent d'environ 10 du territoire et ça tête été fait. Donc, euh, effectivement, là, à Lévis, c'est eux qui reçoivent le. Ils ont un département de 56 lits, tandis qu'ici, je pense qu'il y, y en a 12 ou 13 là, donc, en psychiatrie. Donc, c'est sûr et certain que ça va faire une certaine différence. Alors, ça, c'est un, un constat. Est-ce qu'il y en a d'autres constat ah oui, il y a, qui vous ont frappé, vous autres, là? Oui, oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est comparé aux autres régions. Donc, à l'annexe 1 de notre, notre recherche, donc on, on a comparé nos, 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 euh, je dirais nos, nos résultats aux autres régions. Donc, l'aspect de la signification, donc la représentation par avocat euh, elle est on est la région administrative où la représentation par avocat est la plus basse. Donc, dans d'autres régions, euh, euh, par exemple, en Outaouais ou en Estrie, les, les gens sont plus représentés par avocats. Mais tête c'est un microcosme euh, dans le sens où euh, le taux est, est beaucoup plus élevé que les autres territoires de Chaudière-Appalaches. Donc, ça a peut-être un lien entre la proximité du département de psychiatrie, de l'aide juridique et de, euh, du palais de justice, là, qui sont dans un, un, une zone, si on veut, là, de, de quelques kilomètres, tandis que euh, les gens qui sont hospitalisés à l'Hôtel Dieu de Lévis doivent aller euh, au, euh, en, au Palais de Justice de Québec. Donc, l'aide juridique de Lévis couvre ça, donc c'est plus complexe là, euh, au niveau des distances. Mais ça, c'est une des, des variables qui nous a, euh, a frappé. Euh, ensuite de ça, euh, les autres variables qui nous ont frappé la présence du requérant à l'audience. Donc, euh, il y a trois personnes sur dix qui ne sont pas présentes à leur audience. Donc L'établissement de santé aussi demande une, une dispense de, de signification, c'est-à-dire euh, que la personne ne soit pas présente à son audience. C'est d'après. De, de, en fait, pas. Non, je, je suis en train de me mêler avec la dispense de présence. La dispense de signification, c'est que la personne ne soit pas informée qu'il va avoir une audience. Et puis, une, donc, dans 10 des, des, des situations environ. Là, cette, euh, il y a un, donc une personne sur 10 n'est pas informée qui va avoir une... Euh, puis ça, puis une ça le concerne. C'est ça exactement. Donc on oh. parle de personnes, ça les concerne. C'est une privation de liberté, oui, c est, c est pour beaucoup de personnes, c'est certainement pas la meilleure période de leur vie. Mais on parle d'une privation de liberté, donc c'est un, un droit qui est fondamental. Et puis les pratiques en cette matière-là devraient être exemplaires. La, la P-38 c'est qualifié d'une loi d'exception. Donc, elle devrait être appliquée de façon exceptionnelle. Ben Quand je oui, dis hein, façon oui. exceptionnelle, c'est sans, sans, sans bavure, sans abus, sans, sans difficulté, mais il, il, y a, il y a plusieurs organisations, dont les groupes de défense de droit, mais aussi le Protecteur du Citoyen, le Barreau du Québec, même le ministère de la Santé, ont documenté dans les cinq dernières années des difficultés majeures d'application de p 38 Moi, j'invite les téléspectateurs à, à aller lire le rapport du Protecteur du Citoyen à chaque année dans la section Santé mentale. Il y a un des sujets qui revient, l'application de, la, de la garde dans l'établissement. C'est euh, un sujet majeur. Euh, il y a beaucoup de, de situations problématiques en lien avec ça. Puis le réseau de la santé, le réseau judiciaire aussi se doivent d'agir pour respecter les personnes. Euh, François, il nous reste moins de 10 minutes. Ah oui. Là, on a fait des constats, mais je ne peux pas croire que cette étude-là, vous n'avez pas fait des recommandations. Et à qui? J'imagine aux, aux, aux gens de la santé, oui. euh, aux dirigeants de la santé. Mais quelles sont les principales recommandations? Là? Euh, prenons le temps, mais euh, il nous reste à peu près 8-10 bon. minutes. Juste avant d'aborder oui, okay. les recommandations, euh, l'aspect de la décision, donc euh, comment ça finit à dans la cour. Dans les constats, là. Okay. Oui, dans les constats. Puis je vais, je vais arriver sur oh, les recommandations oui, aussi. Donc, dans les constats, euh, il y a 93,72 de toutes les, 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 les requêtes qui sont accueillies. C'est-à-dire que l'établissement de santé va en guillemets gagner son. son euh, sa, sa requête. Dit ou, on peut, je ne sais une requête pas requête si on peut parler dire... de gagnant ou de perdant, mais en tout cas. Euh, 9 sur 10. Au-dessus de 9 sur 10, ouais. l'établissement de santé a gagné cause. Donc, la personne est hospitalisée, ou que ce soit en garde provisoire en garde d'établissement. Donc, dans, dans ces situations-là, c'est ce qui se passe. Donc, euh, on a fait dans notre recherche, puis on va la mettre là, en ligne sur notre site internet à à www.ladroit.org, on va la mettre en ligne. Puis, il y a plusieurs éléments là, en lien avec dans les pages 70-71, donc euh, le, la, la, le fait que la personne euh, euh, témoigne dans un certain nombre de dossiers, donc euh, la plaidoirie, le, 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 la durée de l'audience, tout ça, on a des statistiques là-dessus. Donc, c'est intéressant, j'invite les gens à lire. Donc, pour ce qui est du, euh, des recommandations, euh, je, vais, je vais y venir. Donc, on demande que la personne soit signifiée. Euh, le, le plus souvent possible, parce qu'un sur dix, on considérait que c'était beaucoup. Oui. Ça doit être une situation d'exception, que la personne n'est pas informée, qu'elle a une audience. Ensuite, l'aspect de la garde pré préventive, on, on l'a abordé brièvement. Ça ne fait, euh, fait pas partie du, du processus judiciaire qui passe en cours, mais euh, l'application de cette partie-là de la garde en, de, de la, la, la P38. Peut poser problème. Le protecteur du citoyen est intervenu à plusieurs reprises à ce niveau-là. Donc, nous, on recommande que l'établissement de santé encore davantage cette, euh, cette, cette partie-là de la loi. La garde provisoire, on demande que les gens aient l'occasion de se faire entendre. On demande aussi euh, que le requérant, c'est-à-dire l'établissement, le psychiatre, euh, soit, euh, soit 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 au tribunal, parce que la personne, bien souvent, il y a des rapports de psychiatre, elle passe en cours, elle n'a pas l'occasion de contre-interroger son médecin, ou elle ou son avocat, il va s'en dire. Donc, l'aspect de l'équité dans le processus est très, très discutable en matière d'application de, de, de P38, oui, entre autres. est qu'il peut y là. avoir des nuances en ce qui est écrit puis ce que le médecin peut expliquer? Là. Tout à fait, tout à fait. Euh, ensuite, une uniformité des pratiques et des procédures. Vous allez voir, de, si vous allez voir notre, notre rapport. Euh, en en, en de Minds, il y a certains éléments qui sont très positifs, entre autres la présence de l'avocat, euh, euh, les gens sont plus représentés entre autres par l'aide juridique, tout ça. Donc, euh, on demande qu ait, que les meilleures pratiques soient mises de l'avant pour euh, qu'elles soient plus respectueuses des droits des personnes. Ensuite, euh, on recommande que les gens, le personnel soit formé parce que ça, c'est un des problèmes qu'on constate. Les gens posent des questions sur leurs droits. Euh, les réponses sont pas toujours les, les réponses appropriées. Donc, les gens sont, les, sont dans l'incertitude, dans une situation qui est anxiogène, qui va leur créer du stress, en plus d'être dans une période où ils ne vont, euh, vont pas très bien. Hein, ils sont hospitalisés en psychiatrie. Ils ne sont pas euh, donc, euh, à, cette, à cet effet-là. Euh, la formation, donc, pour la, que la personne ait la bonne réponse aux questions qu'elle adresse, ça nous apparaîtrait une solution. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Ensuite, on recommande une défense pleine et entière, c'est-à-dire que... Une, les gens euh, euh, ont fait davantage d'efforts de, euh, de, de, pour faire euh, connaître le, le, la possibilité y une personne d'être représentée par avocat, mais aussi que le groupe de défense de droit soit connu. Donc ça, c'est une autre recommandation qu'on fait la transparence. On en parlait tout à l'heure. Oui. Donc c'est une loi qui prive une personne de sa liberté. Elle est peu encadrée. Elle n'est pas suffisamment surveillée. Donc, on demande qu'il y ait des données qui soient rendues publiques parce que c'est d'intérêt public. C'est pas normal qu'un petit groupe communautaire comme la Droit ait affaire à, euh, à éplucher des jugements dans toutes les palais de justice de la région. Donc, ça, c'est un, un élément problématique qu'on soulève. Il devra, le public devrait être informé de comment sont traités, de comment la justice et le, le système de santé tra euh, traitent les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Ensuite, que c'est ça, la surveillance par les instances appropriées. La durée de la garde. Donc, dans certains territoires, euh, il va avoir des gardes plus longues, comme par exemple euh, à Lévis, les médecins vont demander, une... euh, l'hôpital va demander 60 jours en général, parfois 30 jours, mais souvent 60 jours, tandis qu'à Tetford, ils vont demander 21 jours. donc euh, les gens sont pas euh, moins dangereux à tête qu'à Lévis, mais l'établissement demande moins longtemps. Donc, on demande, nous, que systématiquement, que ce soit 21 jours, puis qu'ils fassent une autre requête après, pour... parce que ça peut avoir des conséquences importantes pour les personnes, qui y un jugement de garde là, aussi long que ça. Puis, en plus, les durées moyennes de séjour ne dépassent pas 26 jours. Ici, je pense que c'est 13 jours, les... la durée moyenne de séjour en psychiatrie. Donc, de façon générale, les gens restent moins longtemps. Euh, que bien souvent que l'ordonnance de la garde. Donc, ça peut créer toutes sortes de problèmes autres qui ne sont pas euh, considérés là, dans le... lorsque c'est demandé. Ensuite, un respect strict de la loi. Ça, c'est le... un aspect. Euh, c'est la recommandation la plus importante que le réseau de la santé, que le système judiciaire s'assure que la loi est respectée de façon stricte parce qu'on parle de droits fondamentaux. La liberté, c'est un droit fondamental. C'est des gens qui vivent une situation difficile. Euh, au plan euh, et personnel et motif. Et puis, on, on doit le traiter euh, leurs droit avec la plus grande considération. Puis, c'est ce qu'on a cherché à faire ressortir dans le cadre de cette étude-là. Euh, puis, en plus, on compare avec d'autres régions du Québec. Donc, c'est évidemment, c'est un travail très, très intéressant. Mais euh, donc, c'est l'essentiel le, de nos, nos recommandations. Bon, euh, le temps a fui. Euh, justement, ce, cette étude-là, là, le résultat de l'étude, il est disponible sur votre site Internet? S'il si y il, il va l'être dans les prochains jours... Il va l'être dans les prochains il jours, que je fasse donc une vérification. on a www.ladroit.org. Oui. Alors les gens pourront aller là puis suivre. Là, euh, et euh, s'il y a des gens qui voulaient avoir d'autres renseignements, est-ce qu'on euh, peut donner un numéro de téléphone? Certainement. C'est le 1 c'est un numéro sans frais. 1866 837... 1113. 1113. Alors, 1-866-837-1113. Luc va sûrement se faire un plaisir de nous l'indiquer juste en tour de nous. C'est bon. Pour que les gens, puis même l'adresse euh, la, euh, Internet de votre site Web, je la, je, je la rappelle www.ladroit.org. Les gens peuvent nous suivre sur Facebook et sur Twitter aussi. Ah, OK. Sur Donc, Facebook. on a une belle page Facebook que j'alimente régulièrement, donc, de toutes sortes d'informations sur des articles de journaux, sur nos activités aussi. OK, alors, ce, le résultat de cette étude-là va être disponible très bientôt sur votre site. Là. Oui, exactement. OK. Oui. Ben, François, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.